Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue à notre célébration dominicale. Lundi le 22 avril de 17h à 19h sur le terrain de l'archevêché, il y aura une activité de sensibilisation pour la protection de notre maison commune. Partage fraternel et rituel sur notre programme. Bienvenue à tous. Merci à Marcelo pour la retransmission de notre célébration eucharistique que vous pourrez voir sur le site YouTube en après-midi. En ce troisième dimanche du temps pascal, notre célébration est présidée par M. l'abbé Rodelin Blaise et assistée par la lecture Mme Anne Babin et au service à l'hôtel M. Richard Poirier. Bonne célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ, Jésus, ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père et le salut du monde, soit toujours avec vous. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Le Seigneur nous appelle à devenir ses témoins au cœur du monde, mais bien souvent, nous ne sentons pas concernés. Reconnaissons humblement nos hésitations et nos craintes à annoncer l'amour de notre Dieu. Confions-nous à sa miséricorde. Thank you.
Que Dieu, notre Père, dans sa grande bonté, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pâque, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait.
Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le Juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontèrent aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. » Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Jésus, chers amis de passage ou en visite dans notre paroisse, vous connaissez peut-être ce beau chant inspiré par le psaume 47 et qui dit ceci. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, le Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche de Pâques. Autrement dit, nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Oui, il est vivant. Dieu le Père l'a ressuscité, il l'a fait Seigneur. Et nous, nous avons vu sa gloire dont témoignent les apôtres. Et maintenant, la mission est confiée à chacun et à chacune de vous, à vous d'en être les témoins de la résurrection du Christ. Frères et sœurs, les textes de ce dimanche nous font revivre les événements de la passion du Christ. Après tout ce qui s'était passé à Jérusalem, la trahison de Judas qui a conduit à l'arrestation de Jésus, sa condamnation injuste, non pas sur des preuves, mais sur la haine pour protéger le pouvoir. Voyez, la haine, c'est quelque chose qu'il faut chasser de notre cœur. Puis on a vu Pilate qui avait dit, je ne vois en cet homme aucun motif de condamnation. Et pourtant, il l'a condamné quand même. Alors, nous avons vu comment ce Jésus qui a donné sa vie librement a subi les coups, l'humiliation, la crucifixion sur la croix. Et tout cela, il l'a fait par amour. Quand il a dit,
ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et cela ressemble à notre expérience de tous les jours, parce que le peuple croyait en Jésus, il voyait en lui le libérateur de l'occupant romain. Et c'est comme si on caresse un rêve et on voit venir la réalisation de ce rêve. Et puis, d'un coup, c'est comme un rideau de fer qui se dresse devant nous. Ça ressemble à notre expérience aussi. Parfois, on est si proche d'un but à atteindre et souvent, tout devient impossible. Ou bien, on avait compté sur quelqu'un, il ou elle nous a lâchés en chemin, coup dur. Et qu'est-ce que nous ressentons? L'abandon, la déception ou l'échec. Mais dis-toi une chose, c'est au moment où tu penses le plus abandonné, et c'est à ce moment même que Dieu manifeste son amour sur toi. C'est le ressenti des disciples d'Emmaüs aujourd'hui sur la route qui ont rencontré Jésus. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Aujourd'hui et plus que jamais, nous avons besoin de la paix dans le monde, la paix dans les familles, la paix dans les relations, la paix dans le cœur, la paix dans la conscience. Nous avons besoin de cette paix. La paix est importante, elle est le signe de la présence active de Dieu à l'œuvre en nous. Et cette paix vient de la foi à la résurrection, dans la certitude que la vie est plus forte que la mort. La vie est plus forte que la souffrance et ne peut jamais être plus forte que la croix qui n'est qu'un passage. Cette paix est le fruit que nous avons à recevoir durant tout ce temps pascal. Cette paix transforme tout et change le regard parce que les disciples n'étaient pas en paix car on avait arrêté leur Seigneur et l'a fait crucifier. Ses disciples étaient troublés, bouleversés. Et nous aussi, il y a plein de situations qui nous bouleversent aujourd'hui. La paix, c'est l'accueil du pardon. Cette paix passe par le pardon des péchés, explique Jésus à ses apôtres. Et ce pardon, Pierre est le premier à le recevoir. Il y a quelque chose de paradoxal aujourd'hui dans l'Évangile. À l'entendre, Pierre qui parle, il a dit, « Celui que vous avez renié, or Pierre lui-même, il a renié Jésus trois fois. Pourtant, Jésus lui a pardonné. » Nous aussi, frères et sœurs, nous devons apprendre à pardonner les autres. Parfois, on a, je vais le dire tout bas, on a dans le cœur trop d'orgueil. C'est comme si il est impossible à nous d'offrir le pardon à l'autre et nous aimerions que Dieu nous pardonne. La paix passe par le pardon et c'est l'expérience pascale des apôtres. C'est ce qui revient dans chacune des lectures de ce jour, le pardon des péchés en Jésus-Christ le juste. Et Saint Jean nous dit que nous avons accédé à la paix de Dieu par le pardon des péchés. Nous avons à notre tour à vivre ce pardon pour vivre dans la vérité et non dans le mensonge. Seul le pardon conduit à la paix et permet de vivre de la lumière de la résurrection. Nous avons à recevoir, nous aussi, le Christ ressuscité parmi nous. Nous avons à recevoir, à le recevoir, avec ce qu'il nous offre, la paix et le pardon des péchés. Pour cela, il nous suffit de tourner, de convertir nos cœurs à ce mystère central de la révélation en Jésus-Christ. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a offert son pardon gratuitement et en plénitude. À nous d'en vivre aujourd'hui
et de le faire vivre autour de nous dans toutes les nations. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous dit Jésus. Et Saint Jean nous le dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Demandons à Jésus un cœur rempli d'amour et d'espérance, mais surtout la joie de pardonner. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme mes disciples. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père du Saint-Esprit, et alors le Seigneur, et du Saint-Esprit, et de la joie, assis à la droite de Dieu, le Père du Saint, nous venons à juger les morts et les vivants. Je crois en ce Saint, à sa Église de salut, à la communion des saints, à la rédemption de nos péchés, à la résurrection de nos chagrins, à la vie éternelle. Le Seigneur entend quand nous crions vers lui, comme il le dit, le psaume, convaincu qu'il écoute toute prière. Osons lui présenter nos demandes pour les besoins du monde et de l'Église. Et après chaque intention, nous pouvons répondre, Seigneur, écoute notre prière. Pour les gens en position d'autorité dans nos sociétés, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans le souci du bien-être de la collectivité, prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes engagés en Église, afin que la joie de partager la bonne nouvelle les habite continuellement, prions le Seigneur. Pour les personnes qui ont perdu la foi, afin qu'elles rencontrent des vivants témoins du ressuscité, qui leur redonnent le goût de croire. Prions le Seigneur. Pour tous ceux et celles qui souffrent de la perte d'un emploi ou de leur santé, afin qu'au cœur de leur épreuve, ils découvrent l'amour du ressuscité qui veut se faire proche de chacun et de chacune. Prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin que par leur accueil et leur engagement, elles témoignent de l'amour de Dieu pour chaque personne. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Père très saint, tu n'es jamais insensible à nos misères et à nos prières. Écoute les supplications que nous te présentons avec confiance, et dès les exaucer par Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Levons notre cœur. Nous le rendons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de David. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi
Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, parmi que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, pour Louis Elrio, Jean-Paul et Gilbert de l'Abbé, Alain Jandreau, Réal Caron, Suzanne Déroubé, Marie-Marthe Voyer. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père, tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Fraction du pain nous conduit à la prière. Avec confiance, reprenons cette prière que Jésus nous a enseignée.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui veilles pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux, les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, que le peuple que tu as rénové par tes sacrements, accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Il est prévu de vous donner la bénédiction solennelle aujourd'hui, mais avant, je voudrais vous dire que combien je suis content de célébrer cette messe avec vous, ici à Sacré-Cœur. En entrant, plusieurs personnes m'ont dit qu'on ne te voit presque pas. Ben, c'est normal parce que la nouvelle mission que j'ai, c'est le secteur Pic-Champlain. L'unité pastorale est divisée en deux secteurs. Moi, je suis affecté au secteur Pic-Champlain dans les paroisses Pic, Saint-Eugène, Saint-Fabien, Saint-Narcisse, Sainte-Blandine. Et l'abbé Jean-Baptiste Louis, il est affecté ici à Rimouski, dans les paroisses avoisinantes. Donc, c'est pourquoi vous ne me voyez pas, parce que ma mission, c'est plutôt là-bas. Fait que même si vous ne me voyez pas, mais je ne vous oublie pas, on est restés unis dans la prière. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Dieu rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être uni dans la patrie du ciel. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.